On se retrouve aujourd'hui eh bien, pour la deuxième partie de Binary Domain sur Xbox 360. On est resté sur cette une première partie où en fait on a tenté d'infiltrer eh bien, un endroit pour savoir si eh bien, les Japonais sont en train de créer une arme, on va dire, un petit peu pas illégale, mais je sais pas, en tout cas vous faire un petit peu d'espionnage industriel. Et c'est un petit peu tourné au fiasco parce qu'à la base on devait être super discret et en fait on a alerté tous les robots. Et là on a réussi à s'échapper, on débarque ici dans une espèce de... Je sais pas, on dirait une espèce de port, ouais, parce qu'on s'est accroché à un gros bateau. Et on va continuer eh bien notre petite aventure avec Binary Domain. Passer la sécurité et infiltre-toi dans les bas-fonds. C'est l'heure de sortir les lances grappins. D'accord, il y avait des grands lances grappins, je m'en souviens pas. Bon, fais comme si c'était un ascenseur express et vise. Ouais, mais faut viser où en fait? Où est-ce que t'as visé toi? Ah ok. Ok. Nickel. Câble tendu, on y va. Voilà, en douceur, en douceur. Les mecs, ils ont plus de, je sais pas, au moins 70 kilos, 80 kilos d'armes dans le dos. Ils ont atterri comme des plumes. Hop, on va récupérer, c'est quoi, des grenades? Non, nanomachine, asse santé plus 1 seulement pour Dan obtenu. Là, j'avais complètement zappé qu'il y avait ça, moi. En obtenant des nanomachines, tu peux t'en servir en te rendant aux paramètres des compétences des personnages dans leur statut. Oui, non, mais on va pas tout équiper tout de suite. Oh purée, ça y est, c'est parti. Écoute, donner des ordres et notre ticket de sortie. Si tu vois ce que je veux dire. Tu veux voir comment on fait alors? Non, ça ira, je sais faire. J'essaie juste de t'aider. Mais si tu crois que tu peux y arriver tout seul, ça me va. Les ordres utilisables dans le jeu sont consultables à partir de la liste des mots reconnus sous paramètres vocaux. Oui, donc on s'en fout. Est-ce que... Attendez, j'ai mon arme de robot. Ouais, c'est bon, j'ai mon arme de robot. Ah d'accord, ça balance direct des grenades. Donc vous voyez, on peut donner des ordres. C'était l'une des particularités de ce jeu là. C'était qu'on pouvait donner des ordres via le micro de la Xbox 360. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de charger. Allez, on y fout, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Compris, vieux. Et normalement il y va. Alors je sais pas si ça va être une bonne idée. Oh, le bourrin. Oh, allez, on va essayer de le soutenir quand même un petit peu, ça se fait pas sinon. Hop. Alors là il y a un lock automatique, j'ai l'impression. Il vise tout seul. Oula. Et lui c'est un nerveux. On change d'arme. Comment il est énervé. Bouya. Reste au sol toi, reste au sol. Une petite roulade sur le côté. Moi j'avais vraiment bien aimé ce jeu. Je sais pas pourquoi il s'est pas bien vendu. Peut-être qu'il a pas eu assez de pub autour, hein, je pense. Comment t'aimes ça, toi? Merde, s'enfuis jamais. Oula. Bon, heureusement que ces robots-là, vous le constatez, ils ont une IA pas très développée. Donc ça, moi personnellement, ça m'arrange. Cet ascenseur est notre chance. Attendez, je peux le regarder. Je peux même l'insulter. Connard, j'arrive, bien joué. Merci beaucoup. Bah écoutez, on va lui dire bien joué parce que je trouve, je sais pas vous, mais il a quand même fait du bon travail, donc ça se mérite, allez, bien joué. Merci vieux, mais c'était que dalle pour moi. Ouais, c'est ça, mais c'est juste que j'ai envie que tu restes mon pote en fait. Sinon, je trouve que t'étais pas terrible, hein. T'as foncé dans le tas sans aucune considération, même si c'est moi qui t'ai donné de l'ordre de foncer dans le tas, t'aurais dû dire non. Là, t'obéis bêtement. Si je te dis de sauter à droite, là, tu sautes là? Ouais. Est-ce qu'il saute à droite sur ce bouton, mon pote. Ouais, on va le traiter de connard pour la peine. Hop, alors attention, bouge pas. Yo, qu'est-ce qui te prend? J'ai rien fait de mal. Je m'en fous, voilà, ça t'apprendra. Allez, on descend. Bon, je sens qu'on est là pour bosser et rien d'autre. Ouais, clair, grave. On est là pour bosser, récupérer des infos et repartir dans notre bled. On va donner toutes les informations qu'on va pouvoir récupérer sur ces foutus robots. Là pour l'instant, tout me paraît, on va dire, normal, des robots, tout ce qu'il y a de plus classique. Un terminal d'approvisionnement en munitions, hein? On dirait, ouais, qu'on peut dépenser nos bifetons ici. Dan, fais un essai pour voir. Ouais, ok, allez, on va tester ça. Accéder à la boutique. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a de bien? Qu'est-ce que je peux faire comme petit achat, là? Donc, on a des slips, on a des soutifs. Non, on n'a pas ça. On a quoi? Nanomachine, je m'en fous. Hey, on
dirait que ça marche finalement. Allez, ça marcherait même très bien. Il doit y en avoir d'autres par ici. Allez, il va ouvrir la porte là. Carrément trop calme ici. Garde les yeux ouverts. Oh, ça y est, il y a encore des robots. Là, je vous l'ai dit, hein, ce jeu, il faut l'aimer pour l'action quand même, parce qu'il y en a pas mal. Oula, oula, qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il me fait? Oh, un coup de pied, il m'a fait un Yamashigiri là. Hop, heureusement que la vie, on la récupère automatiquement. T'inquiète, d'où ça tire? Ah, d'accord, oula, oui, d'accord, ça tire de là-haut. J'avais zappé, et je suis sur le point de crever. On va tenter une petite roulade sur le côté. Hop, non, pas là, pas là, pas là, pas là. Merci. Bon. Allez, allez, allez. Ah, mais ils sont coriaces. Attends, je vais lui donner un ordre, je vais lui dire de charger. Il est plutôt bon pour charger. Oula, lui, il a failli me foutre un coup de pied de la mort. Par contre, il faut que je fasse gaffe, c'est à sa vie. Bon, toi, là-haut, tu m'énerves. Là, toi, tu m'énerves, là-haut. Oh, il en prend plein la gueule. Attends, comment lui dire de se couvrir? Hop, on va tenter de lui balancer une petite grenade. Peut-être voir si je la balance là-haut. Attention, c'est parti. Magnifique. Alors là, là, ça les amis, je vous dis, ça mérite un trophée. Ça, ça mérite un trophée. Une petite grenade bien placée comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, d'accord. D'accord, donc attendez, je peux lui demander de l'aide. D'où il sort lui? Enfoiré là, d'où tu me tires? Oh, il arrive vers moi, au secours, au secours. C'est bon. Bon, tu peux venir m'aider, je suis en train de crever là. D'où tu te bats comme ça? Voilà, bah merci. Comme quoi, hein, je vous disais de faire super attention aux robots, même si vous voyez, ils ont pas de jambes, ils sont encore vraiment très, très, on va dire, très violents, ils peuvent vous tuer. Là, j'ai vraiment pas fait attention. Surtout que vous voyez que la caméra est placée assez proche de notre personnage principal. Et... tiens, voilà. Et du coup, on voit pas forcément ce qui arrive d'en bas. Yo Dan, c'était quoi ces ordres de merde? Tu veux que je me fasse tuer? Oui, c'est oui, je veux, oui. Allez, on va dire ouais. Attends, on va dire ouais. Eh, hey, va te faire foutre, connard. Oui, moi, c'est... ça me fait pas rire. Voilà, ça, c'est ça qui était vraiment sympa dans ce jeu-là. Ça changeait un petit peu, on va dire. Bon, il m'aime, hein, tu m'aimes. C'est de l'amour vache, t'inquiète pas. Quoi, quelqu'un il me parle? Bon, vous allez vite vous en rendre compte, c'est que plus vous vous comportez mal avec eux, plus ils auront une attitude agressive. Hein. Passe la sécurité et infiltre-toi dans les bas-fonds. Allez. Vous êtes par ici, non, je sais plus. C'est quoi ce bordel? Sorte de panneau de commande? Ah oui, je m'en rappelle. Alors, attendez, pivoter. En fait, il faut que je fasse un espèce de pont, il me semble. Voilà. Voilà. Et normalement, ça doit être bon. On peut l'utiliser comme pont pour traverser. Voilà. Tu vois, non seulement j'ai de l'humour, mais en plus je suis intelligent. Hein? Alors, qu'est-ce que tu ferais pas sans moi, Big Bo? Ça doit être bon là, non? Ah voilà. Bon, je me disais bien, il fallait l'abaisser. Je vois, il y a plein de petits rayons là. Traversons de l'autre côté. Vite, 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 hop. C'est bon. J'ai pas été détecté, nickel. En même temps, vu tout le raffut qu'on a fait, hein, que je me fasse détecter avant ou après, maintenant ça n'a plus vraiment d'importance. Donc ça, on s'en fout. Ok, pas de tas de ferraille en vue. Y a pas le feu alors, mec. On peut faire une petite pause. Non, on fait pas de pause. Non, 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 on continue là, on est là pourquoi? On sera bientôt sorti de cet endroit. Ensuite, le plus gros nous attend. T'es prêt à faire la teuf? Oui, oui, oui. Désolé, fais chier. Allez, on va lui refaire chier, je sais pas pourquoi, mais on va le provoquer, on va jouer la provoque avec lui. Ça va pas, mec? Le plus gros reste à venir. Tu te souviens? Il va me haïr. Et j'ai toujours du mal à te cerner. Mais je dois dire que.
C'est sympa de faire de nouveaux équipes. J'ai du mal à croire qu'on soit encore en vie après tout ce temps. Mais j'ai l'impression qu'on va encore s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Grave. Allez, non. Allez, espèce d'abruti. Non, allez, on va être sympa quand même. Parce qu'on voit qu'il essaye quand même de, on va dire, de renouer la flamme de l'amitié. Donc allez, on va dire grave. Je te reconnais bien là. Allez, partons d'ici. Passe devant mon frère. Ok. Hop. Alors là, on est dans un environnement assez fermé. Même si le jeu, quand même, je vous le dis, est très 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 linéaire. On va sûrement arriver un peu plus tard dans le jeu. Je pense que je n'aurai pas le temps de vous le montrer. Mais on va arriver dans des zones un peu plus urbaines, ou notamment en ville. Où ce sera peut-être un peu plus intéressant. Quoique moi, là, j'aime bien. J'aime bien aussi. Alors attendez, il y a du monde là-bas. Aïe, ma tête. Crève ! Machine ! Donc on va lui dire de charger. Hop, allez, on est reparti. Je vais essayer de les prendre à revers. Oula, c'est pas les mêmes robots ceux-là. Oulala, c'est pas les mêmes ceux-là. Ah, ceux-là c'est le niveau 2, c'est le level 2. Oh purée. Au secours. Alors faut que je fasse gaffe à pas tirer sur mon copain, sinon il va pas être content. Ceux-là ils sont un peu plus vifs, un peu plus rapides. Allez, à revers. Voilà, ça c'est du travail d'équipe. Ça c'est bon ça. Allez, on va continuer. Est-ce qu'il faut passer par là déjà? Je sais plus. Ah oui, d'accord, c'est toujours pas mort. C'est des fourbes hein. Ils font style, ils sont morts, mais en fait non, il faut vraiment attendre qu'ils explosent. Et j'ai pas encore ce réflexe de... Oh attendez, mais j'ai ma super attaque normalement, attendez. Je vais lui... Non, c'est quoi l'attaque? J'ai oublié, c'est quoi l'attaque? C'est celle-ci, c'est ça? Non, j'ai oublié. Tu mourras pas. Je t'ai grillé en train de ramper. Oh là, il lui a éclaté la tête. Ah mais il attend, d'accord, il part sans moi. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Appuyer sur l'interrupteur. Oh purée. Ah oui, je les avais zappés ceux-là, là. Ils avaient les grosses gatlines. Mais normalement je crois qu'on va pouvoir prendre, c'est leur arme, donc c'est ça qui est cool. Attention, je tente. D'accord, ça ne sert à rien. Déjà, on va tuer les petits, ce sera peut-être plus évident. Oh purée. Passer la sécurité, infiltre-toi dans les bas-fonds. Alors attendez, on va s'auto-guérir. On peut s'auto-guérir ou alors demander de l'aide. Là, on va le laisser tranquille là-bas. Ah la vache. Est-ce que j'ai encore du sang? Oui, je peux encore me réanimer. Putain, il s'arrête jamais. Allez, le dernier petit, et après on va s'occuper du gros. Allez, oh purée, c'est pas vrai. Faut qu'il me réanime là. Non, j'ai encore de la vie. Alors, je sais pas combien de vie j'ai. C'est bon. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tirer. Allez. Et là, on est en mode de difficulté moyen. Imaginez. Je crois que tu t'y es cru un peu trop, là. C'est bon. Oh la vache. Vous avez vu la bête que c'est. Moi, personnellement, j'adore tuer les robots. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça assez sympa. Surtout quand, eh bien, on les voit un petit peu, quand il y a différents modèles de robots. Et puis voilà. Bah, écoutez, les amis, je pense que j'en ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la faire parce que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez qu'il est quand même... Ouh, j'allais lui tirer dessus. Quand même assez bourrin. Là, j'ai récupéré l'arme du gros robot. Allez, on s'y met. De quoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut sûrement appuyer en même temps sur un truc, non? Hop. Et puis voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis en attendant, eh bien, portez-vous bien. Salut tout le monde.